Bienvenue dans SOS Highside avec Beer. Dans ce format, chaque année, Highside et Turnbytes, l'atelier moto, lance un jeu concours national sur les réseaux sociaux et sélectionne une personne dans le besoin qui n'a pas les moyens d'entretenir sa moto. Le but, remettre sa machine en état en 72 heures. Un moment de mécanique qui ressemble plus à un défi qu'à une simple révision tant les chantiers sont énormes. Et cette année, c'est Sébastien qui a été sélectionné, sans avoir tenté sa chance, au jeu concours. C'est sa copine qui a joué pour lui et lui a fait la surprise. Profil du gagnant, un guide qui roule en maxi-trail dans la terre. Un maxi-trail qui en a ras-le-bol de son propriétaire. Bon, Sébastien, bienvenue. Merci. À SOS Highside, ta moitié n'est pas avec nous, mais c'est grâce à elle si t'es là. Tu étais en train de passer ta formation CQP voilà. Pendant le jeu concours. Exactement. Tu l'as eu ? J'ai eu mon CQP. Félicitations. Merci, merci, merci. Tu le félicites pas ? Pas encore. D'accord. Je vais attendre. Ma chérie, elle m'a fait un peu la surprise. Quoi. Et comment t'as pris ça quand elle te l'a annoncé ? Je crois que j'ai fait des bons à peu près de ce taille-là. Ouais, super content. En l'occurrence, t'avais pas forcément les moyens à ce moment-là de remettre ta moto en état. Ouais. Et cette moto, c'est ton outil de travail. C'est ça, ça allait devenir mon outil de travail sur le moment. Bah là, c'est pas un budget qu'il faut pour la moto, là. C'est le PIB du Nicaragua. Hein. Moi, je te le dis, mon gars. Non, mais il l'utilise, vraiment. Ouais, ah bah là, elle est utilisée de chez utilisée. Hein. Elle est dans un état. Avancé. De décomposition. elle a les comment t'as fait pour la mettre dans cet état-là ? Parce que où qu'on regarde, il y a quelque chose de cassé. Bah, il l'a pas entretenu. Hein. Bah, si, entretenu. Par contre, effectivement, des fois, je rentre du boulot, je vois un petit single, je dis « Ah tiens, je vais repérer une trace ». Alors, je prends le single, hop, j'arrive, je vais « Ah, il y a une rivière ». Je glisse dans la rivière, elle reste 2h30 à moitié dans l'eau. Et pourquoi elle reste 2h30 dans l'eau ? Parce que pour la relever dans une rivière avec des algues, c'est pas facile. Donc il faut la tirer, machin. Mais moi, j'y vais pas. Va voir Tom Barrère, il va t'expliquer. Non, mais il va pas s'occuper. Ouais, enfin, je vais faire en sorte qu'il prenne en cours avec lui. Il va te massacrer avec ce que tu viens de dire. Avant de donc passer guide moto, c'était quoi ton métier ? Je suis mécano dans l'industrie. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que je m'occupe des machines-outils et des moules d'injection plastique exactement. Donc t'es mécano ? Ouais, mécano ouais, quand même. Il est mécano, Franck. Donc tu fais de l'usinage en fait ? Non, pas de l'usinage. Moi je répare les machines qui font l'usinage. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Ah oui, au-dessus de nous, lui. Hein. Non, mais là, quand même. Mais il est mécano, mais les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein, voilà. Parce que... Ah, mais ça, moi je le sais. Ouais. Ah, moi je le sais. Entre mécano, on sait. Ne te mets pas à mon niveau, s'il te plaît. Attends. Bon, Seb, c'est ton outil de travail, ton futur outil de travail. Tu vas faire des balades à des gens, tu vas leur montrer comment finalement conduire un maxi trail en tout terrain. Voilà, oui, donc tu ne peux pas arriver comme ça, c'est pas possible. Le mec, il arrive avec une moto neuve, il dit « Je repars comme ça, c'est ça. Je m'en vais tout de suite. » Moi, le mec qui me donne des conseils, il roule avec ça. J'ai dit « Écoute, je crois que tu devrais prendre… » Ah, j'y vais pas. Ah, j'y vais pas. Sacré chantier, tu t'attends à quoi, globalement Sur l'évolution de la moto. Ouais, parce que je te cache pas qu'on a, on a même pas 72 heures. Mécaniquement, je crois savoir qu'elle est le moteur est sain. Ouais, c'est sain. Ça, c'est déjà... Ça, c'est entretenu. Il a pas l'air de ça croire. Commence. Il t'a regardé. Sauf peut-être, j'ai l'alternateur qui fait des siennes. Oui, c'est pas le moteur, ça. Donc, c'est pas le moteur. Ouais. Voilà, c'est ça. Elle a des bornes, par contre. Elle a des bornes. Elle a 150 000 bornes, quand même. Jamais une segmentation, jamais un piston. C'est rodé quoi, c'est Honda. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tu passes les doigts entre les. Ouais, c'est ça. Faut pas accélérer à fond, elle fume un peu. Ah, mais le moteur est sain. Quand tu, Ouais, elle fume bleu. Au ralenti, je vous fais un litre d'huile aux 200 km. Mais non, mais c'est une moto d'il y a quand même d'il y a 30 ans. Et alors, j'en ai 60, je suis pas beau. Ouais, mais 30 ans. À peu près la même gueule. Elle fume un peu. Cette moto a été adaptée, améliorée, avec peu de moyens pour pratiquer la discipline du off-road engagé. Autant dire que les adaptations sont pragmatiques. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va te laisser. Il faut qu'on commence parce qu'on n'a même pas 3 jours. On va faire de notre mieux pour essayer de te faire une machine qui va t'emmener le plus loin possible. Ouais. Enfin, qui va au moins réussir à te faire passer le portail, que tu ne reviennes pas. Voilà, tu pourras tomber en panne de voilà, juste de l'autre côté, c'est garanti, c'est juste au portail. C'est bon, c'est mort après. Toi, on va te donner rendez-vous avec Adrien. Il t'attend dans une boutique à Nice, Speedway. Ils veulent voir un petit peu le profil du gars qu'on a sélectionné cette année et peut-être voir comment ils peuvent t'aider à pratiquer ta discipline. Ah bah c'est super. C'est ouais. Cool. Ouais, c'est cool aussi. Il est parti, non ? Allez, mets-la à la poubelle, direct. Voyons notre chantier de plus près. Une Honda Africa Twin de 1997. À la base, ce trail dérivé des machines du Dakar de Honda est principalement fait pour rouler sur asphalte, éventuellement dans les chemins forestiers dégagés et les larges pistes en terre.
Mais comme le veut la mode du maxi-trail, chacun tente de faire plus engagé, plus ambitieux et en gros, plus tout-terrain avec ses machines. Et notre Sébastien le premier. Franchissement, pierrier, traversée de gué, single étriqué, elle en a vu de la terre cette Africa. Le moteur, malgré un kilométrage impressionnant de plus de 150 000 km, est déclaré OK. On va voir ça, et bien d'autres choses de plus près avec Franck. J'ai déjà la liste de choses qu'il faut changer. Alors, je voulais pas te mettre de mauvaise humeur devant le monsieur, mais t'es prêt ? Non. Je vais quand même te le dire. Moteur. Moteur, il a 150 000 bornes, il faut contrôler le jeu aux soupapes, mais aussi et surtout l'étanchéité. OK ? Bien évidemment, on va lui faire filtre à air, filtre à huile, bougie. Peut-être lui changer le silencieux et le collecteur, si jamais on trouve dans une casse ou d'occasion. Ça sert à quoi qu'on enlève des trucs dégueulasses si c'est pour les reprendre dans une casse et les remettre dessus ? Bah, des fois, dans une casse, les pièces sont nickel. Donc, on peut peut-être avoir un peu de chance. Ensuite, elle a un problème de charge. Quand la moto tourne, elle roule, elle ne recharge plus la batterie. Oui, ça peut venir soit du régulateur, oui, soit du stator. Oui, c'est pas grave, ça. D'un point de vue particycle, elle est là pour 8 jours. La fourche serait tordue, mais ça peut venir du thé de fourche. Le guidon est tordu. La fourche est morte, c'est-à-dire que les bacs de friction et les joints spi sont morts, dans tous les cas. Disque de frein mort, kitchen mort. Les durites qu'il a installées sont trop longues et défoncent les carénages dans les différents passages. Ok, le HRC, il arrive quand là ? Au niveau de la vitesse, le compteur de vitesse ne marche plus. Il pense que c'est le câble ou l'entraîneur. Pense beaucoup le gars. Il pense. Hein. Le contour ne marche plus. Donc il faut voir pourquoi le contour ne marche plus. La béquille, il a bricolé un truc, il en est très fier, mais on va essayer de faire. Qu'est-ce que tu. C'était pas vissé ça ? Non. Ah, ça tenait plus. Bah oui. Comme le reste. Ah oui. Poste de pilotage. Inexistant. Là-bas. C'est une merde. Il fait vraiment de la pratique off-road. Il faut essayer de lui faire un poste de pilotage un peu plus léger déjà. Ce qui serait cool, ça serait que cette moto, elle soit un peu. Comme à l'époque, un peu d'origine, mais optimisé. Ouais. Ah, j'aime bien ça. Donc, lui remettre des rétroviseurs pas pétés, des poignées d'origine, pas ses poignées chauffantes. Un nouveau sabot moteur parce que c'est défoncé. Les repose-pieds, c'est du bricolage, il faut les changer. Le réservoir est écrasé, défoncé suite à une tentative de vol. Apparemment, quelqu'un a voulu lui voler ce truc. Avant de tout démonter, on va contrôler le faisceau de charge et essayer de voir pourquoi la batterie ne se charge plus en roulant. Ouais, moi, il m'a expliqué un truc qui m'a fait, ça m'a fait rire. Je vais pas rire devant lui parce que je ne voulais pas lui foutre la honte. Mais... il me dit, en fait, pour que la moto elle continue à rouler, j'ai débranché un phare. En fait, tu sais, ça doit s'équilibrer à peu près comme ça. Ah, il n'est plus sur la batterie, tu sais, c'est le charge. C'est la limite de ce que la... Il m'a dit, je branche, en gros, il met les phares. Donc là, on doit démarrer la moto et voir si, quand on met des coups de gaz, si la tension monte. Si la tension monte, dans une certaine mesure. 14,7 max. Ouais. Si c'est au-dessus, c'est quand même qu'il y a un problème. Bah, en fait, c'est le même problème avec le régulateur, si t'es au-dessus ou si t'es en dessous. Mais... Si ça envoie trop de jus, c'est un problème. Si ça n'en envoie pas assez, exactement. C'est un problème. Ça doit être à peu près 14 volts. On a les phares, là. Mets les phares. Donc en fait, là, tu vois, on est sur les phares. On roule sur la batterie en fait. Ok, quand j'éteins les phares. J'éteins les phares. Ça monte. Ouais, mais pas assez. Ça monte pas beaucoup. Voilà. Laisse qu'on ralentit un gaz couplé. Tu t'es même pas sur la batterie en fait. Ouais, elle est en déficit en fait. C'est ça. Moi, pour moi, c'est pas l'alternateur. C'est le régulateur. Un premier problème d'isolé. Et la pièce défectueuse qui va avec. Passons maintenant au moteur. Pour ça, on doit accéder aux bougies des deux cylindres. Donc, tomber quelques carénages, le réservoir et tout ce qui peut entraver notre travail. Ensuite, on vient brancher sur chaque cylindre un manomètre qui indiquera une pression. Ça nous donnera une indication sur l'étanchéité moteur, donc de l'ensemble piston-segment dans le cylindre. Avec l'usure, un jeu trop important donnerait une pression basse qui demanderait un changement de piston et segment. Et ça, ce serait une très mauvaise nouvelle, car difficile à réaliser en plus du reste, en moins de 72 heures. Donc j'ouvre les volets, je démarre. Ah, hop, c'est bien. C'est monté 9 à... bars. C'est parfait. C'est vrai ? Ah bah oui. Incroyable. Ah bah c'est Honda mon gars, hein, si je te dis. Cylindre arrière. Hop. Donc, j'ai pas bien vissé. Ah, il y a des chances, oui. Ah ben non, il y a... Il y a quoi ? Bah on a enlevé la bougie. Bah oui, bah heureusement que t'as enlevé la bougie. Aussi. Et alors ? L'air, il sort par là-bas. Eh oui. Ah putain, ça s'arrange, dis donc. Les gens, ils savent pas la vérité. En fait, c'est lui le boulet. Oui, c'est ça.
Avec deux bougies par cylindre, Franck avait plus les yeux en face des trous. Ça devrait aller mieux maintenant. Arrête. Un petit peu moins celui-là, ouais. Non, il était juste en dessous de 10. C'est bon. Donc c'est bon ? Bah 10. Piston segment, c'est bon. 10 barres, c'est bon. Bah c'est la première bonne nouvelle quand même. Oui. Mais j'ai vu un petit sourire. Plus propre dedans que dehors. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ce moteur n'a pas le moindre signe d'usure, malgré son kilométrage élevé et ses pistons d'origine. On va lui faire une bonne révision dans les règles pour le remercier de nous épargner le travail. L'étape suivante, c'est le contrôle du jeu aux soupapes. Mais avant ça, on doit continuer le démontage de la machine pour se faire de la place autour du moteur. Ça sort ou ça sort pas là ? Wow ! Trop tard. T'as vu ce qu'il y a là-dedans là ? Un rat bleu. Bah pas loin, une pince à linge orange. Non ! Ah putain, et le machin il était même pas serré. J'étais perdre mon temps à aller chercher une clé. Oh la vache. Ah, laisse tomber. Jamais il serait venu. Il y a un kilo de rouille qui est tombé en même temps. Oh, oh, doucement. Ben, elle sera plus facile comme ça. Ah, il a essayé quand même de le recoller, tu vois, le cordon et tout. Et puis c'est bien fait, hein. Et on dirait pas que c'est cassé. Mais moi, le peintre, à mon avis, il va nous chier dessus. Ah oui. Pas de temps à perdre. Avec une livraison du chantier dans un peu plus de 2 jours, il faut amener vite ça en carrosserie pour voir si c'est réparable. Et même si moi je n'aurais pas parié un centime là-dessus, on est tombé sur des gars solides. En tout cas, on espère. Et là, on est mercredi matin. Ça, c'est censé être monté vendredi midi sur la moto. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça peut le faire ? Comme celui-là, là, comme il s'est collé, on va renforcer, on va mettre toutes les agrafes partout. Et le faire souder, comme ça, après, on a une bonne base. C'est après. on comme un livre. Pour vous, c'est réparable, ça, ici. Je me doute que ce ne sera pas comme neuf, évidemment. Mais déjà, si c'est... On va essayer de faire un maximum, le réparer correctement, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup pour votre coup de main. Bon, Francky, on a une chance incroyable. Le carrossier y croit. Hein. Le démontage continue. On se rapproche de l'objectif. On a déjà l'histoire. Parfait. Ça aussi, c'est neuf. Il y a peut-être un trou dedans. Bon, on y voit plus clair. Ouais. Jeu aux soupapes. Oui. Une fois que ça c'est fait, on continue le désossage. Il faut tomber tout le train avant, la roue arrière, les carénages. Faut surtout faire la liste exacte de tout ce qu'il faut commander pour qu'on reçoive tout demain matin avant... Oh bah oui, bah bien sûr. Comment tu veux faire ? Faut commander tout avant 16h et on aura tout demain. Je le fais ça moi. Mais cale là la meule toi et tout ça, je vais le faire ça moi. Non mais ah non, c'est un tuto. Bon je tiens pas mais comme c'est... Allez, j'ai envie d'aller à la plage. Oui allez, ça va. De son côté, Sébastien est arrivé à destination, la boutique Speedway de Nice. Écoute, enchanté. Enchanté. Ravi de te rencontrer, bravo. Merci, 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 ça fait plaisir d'être là. On a un partenaire dans SOS Eyesight, c'est Speedway. Ouais. Et donc, ils voulaient te faire un petit cadeau. T'imagines un peu ce qui t'attend à l'intérieur ? Ouais, ils ont pas mal d'équipements, alors du coup... Ouais, donc ils vont te conseiller, ils vont t'équiper pour ta pratique. Une des choses qui caractérise l'accessoiriste, c'est la technicité de leur conseiller. Voyons ce qu'il en ressort une fois les présentations faites et le profil de Sébastien décortiqué. À savoir, un motard qui fait du trail dans la terre, mais aussi sur route et dans toutes les nuances de pratique entre ces deux mondes que tout oppose. Et ça commence par le couvre-chef. Il y a un écran qui se ferme et c'est quand ça. Même une mentonnière. Ouais, une mentonnière pour respirer. Exactement. Là, on est sur des intégros ici. Donc, on a des casquettes qui sont prévues pour l'off-road ou l'aventure. On peut démonter la visière principale, garder la petite visière solaire ou même mettre des casques de cross en fait. On peut vraiment moduler masque, comme on veut. Okay, tu peux c'est mettre ça. Un masque vraiment. Exactement. Pour mieux même la casquette, on peut l'enlever pour faire de l'autoroute par exemple, pour pas qu'il y ait de prise d'air. Ok, cool. Donc il se module vraiment pour tout faire. Allez, là on est sur du XL. Tu connais déjà la marque, hein, c'est ouais, ça j'en ai déjà un. Ah, bah nickel. Alors, lève la tête au ciel, regarde le plafond s'il te plaît. Il est beaucoup trop grand. Alors là, le casque est neuf. Quand il va se détendre au bout de 15-20 heures, c'est très long. Au niveau des joues, en fait, il va carrément tomber le casque. Hein. Ouais. Le casque est censé rester au-dessus de l'arcade sourcilière. Donc forcément, t'es à l'aise, mais c'est pas bon. On va essayer plutôt le L. Donc ça, c'est pas le même, mais il peut rajouter après une visière. Une exactement, donc c'est le même modèle, sauf que lui est en carbone. Et là, il est en mode street. Donc on voit bien la différence avec un casque
où il n'y a pas de casquette. Là, c'est vraiment un casque pour ça, tous les jours. Pour les liaisons de l'autoroute, si tu fais beaucoup de routes, exactement. Pour aller chercher un chemin. Donc, ah bah oui. Voilà. Donc forcément, c'est un peu plus serré. Ah bah non, oui. Mais là, on voit vraiment que tu es bien maintenu. Mmh. Les gens ont tendance à prendre un peu plus grand pour être plus à l'aise, mais c'est pas la bonne chose. La tête est protégée. Passons à la suite. On va mettre un blouson et un froc intelligent sur notre guide. Tu as des petits placards de ventilation ici. Hop. Tac. Donc c'est aimanté. Voilà. Il n'y a pas besoin en fait de zipper, de s'embêter la vie, enlever les gants. Simple. Tu retrouves les petits placards ici. Tac. Double reçu à l'intérieur qui peut être retiré s'il fait trop chaud. Et l'avantage, c'est que tu peux zipper en fait les deux parties ensemble pour un maximum de sécurité. Une armure doublée d'une autre. C'est un gel airbag qu'on peut mettre sous n'importe quelle veste, veste textile ou en cuir ou même combinaison. C'est le gilet Furigan qui est en partenariat avec InEmotion. Et ça, justement, tu peux choisir le off-road, la piste et la route. Autre chose indispensable pour la pratique du off-road, les bottes. Des produits très techniques pour une discipline qui peut blesser gravement ses pratiquants mal équipés. Les cailloux, les branches qui sont sur les côtés, toute la végétation, voilà, je me prends tout ça dans les chutes dans aussi. Les chutes, une africatrine sur la jambe, ça fait mal. Ça fait quand même 250 kilos, donc avec les crash bars et tout, sur les trails, c'est souvent des blessures qui se font aux chevilles, en fait, quand la moto tombe, le pied qui reste en dessous. Je pense à cette botte de la marque Falco, l'Adventure. Elle monte très haut en termes de protection. C'est aussi confortable si jamais tu veux marcher avec, et aussi la semelle est antidérapante, étanche partant de pluie et si tu te retrouves dans l'eau. Ouais, traverser des cours d'eau, ça m'arrive, faire tomber la moto dans l'eau, ça m'arrive, enfin voilà. C'est vraiment des belles balades quoi. Non mais c'est des trucs qui peuvent arriver, on sait jamais. Et enfin, les gants. Ici, une paire qui se met dans la manche et pas sur la manche pour un enfilage rapide. Là en fait, le blouson vient parfaitement dessus puisque ça c'est caché en dessous. Okay. Généralement, les autres gants, en fait, on est un peu soit au-dessus, soit en dessous. C'est assez épais pour faire passer la manche. Et le résultat final est plutôt convaincant. T'as fermé la braguette? Tout, c'est bon. Allons-nous. Waouh. Bah, pas mal. Bah, t'es plus joli que quand t'es rentré dans le magasin. Et il me semble, aussi. Ouais. Avant de partir, quelques produits pour entretenir sa moto. Et un moyen de communiquer avec ses élèves. Génial. Là, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour Impressionné. Vraiment. Retour à l'atelier où Franck et moi entamons le réglage du jeu aux soupapes. D'abord, on va dévisser le petit bouchon sur le carter d'allumage. Il donne accès à l'axe du vilebrequin qu'on va devoir faire tourner à la main pour peaufiner notre réglage de la distribution. Un bouchon souvent pénible à démonter. Attends, je vais mettre des petits coups dessus. Juste pour enfoncer mon outil un peu plus, ouais. Qu'il soit bien calé. Bouge pas. Top, 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 top. Ouais! Bravo Francky! Beau geste, on sent l'expérience quand même. Et le doigté du magicien. Ah, c'est que j'en ai marre de payer des bouchons. Bon, normalement, donc on peut régler directement par cette râpe, mais là, comme de toute façon, le joint de couvre-culasse il suinte, on va enlever carrément le couvre-culasse. On aura accès à l'arbre à cam. Hop là! Beaucoup d'huile là-dedans. Ah oui, hein. Tu savais que ça allait faire ça? Ah, c'est des culbuteurs. Donc le jeu, il se fait avec ces vis-là, c'est ça? Ouais, écrou contre écrou. C'est pas des pastilles, c'est juste un filetage. C'est ça. On visse, on dévisse. Voilà, ça, tu montes et tu descends, là. Mm-hmm. Là il s'est fileté, là. Ouais. Et tu viens régler ton jeu. Pour régler le jeu aux soupapes, on fait tourner le vilebrequin jusqu'au repère indiqué par une marque sur la distribution. En fait, le repère, il doit être au niveau du plan de joint. Ouais. Ceci nous indique que le piston est au point mort haut, donc le plus haut possible dans la chambre de combustion. Quand il est là, les soupapes sont forcément toutes fermées. Ouais. Il y a du jeu partout. T'es au repère, tu vois, à okay, un là, degré près. Là, je sens que chaque basculeur a du jeu. On entend bien le jeu. Donc maintenant, on va mesurer ce jeu. C'est dans cette position qu'on mesure leur jeu de fonctionnement. On doit s'assurer qu'il est dans la tolérance donnée par le constructeur. Trop de jeu, ou pas assez, cause baisse de performance et même casse moteur. Oh putain! C'est serré de ouf, là. Je suis à 15 et je passe pas. Après un réglage en bonne et due forme, notre moteur est prêt à repartir pour des milliers de kilomètres en toute sérénité. Les travers et tout, ça. Hé, hey, Jackie, il y a ton gros doigt là. Enfin, c'est ton bras. Je sais pas si c'est ton doigt ou ton bras, ton truc. Allez, arrache-toi de là, deux secondes là. Pourquoi tu dis méchamment encore? Ah, parce que tu comprends pas quand on avait dit qu'il fallait arrêter la violence verbale. Ouais, ta gueule. Parce que le thérapeute il a dit. Je voyais où j'ai pas été moi, il a rien entendu. Ouais, bah, j'étais tout seul. Allez.
t'as pas voulu venir. 30 à notre thérapie de couple. Oh putain. Ça, c'est les cales d'épaisseur. Ça, ça aurait été moi qui aurais fait ça, j'en aurais pris une. Hein. Elles sont nombreuses et leur ordre est écrit en tout petit. Autant dire que Franck et sa vue basse sont partis pour un long périple introspectif. Bordel là. Si. Les hommes. C'est toi. Putain. C'est bon, on passe à la suite. Bah là, il faut commander les pièces, Franck. Il faut que demain matin, on ait toutes les pièces. Écoute, moi, je veux bien m'occuper de tout ce qui est partie cycle, accessoires, carrosserie. Tu t'occupes de tout ce qui est moteur. On fait chacun une liste et on appelle. Ok, allez. Ok, on fait ça. Je vais rassembler un maximum de pièces d'origine dans des centres de revalorisation, ce qu'on appelait des casse-moto avant. Surplus Moto, bonjour, Gabba, à votre service. Oui, bonjour. Premier coup de fil à Surplus Moto, que j'ai prévenu et qui ont normalement préparé le terrain pour nous. Et d'un point de vue de la partie cycle, on a constaté déjà 2-3 gros problèmes et des pièces qu'il faudrait qu'on ait en urgence. J'ai vu sur votre site que vous aviez l'air d'avoir ces pièces. Ouais, ça tombe bien, on en a démonté deux là, récemment. Déjà, on soupçonne le train avant d'être tordu. Du coup, comme on ne sait pas encore, parce qu'on n'a pas tout démonté, quelle partie est vrillée, on ne sait pas si c'est un tube qui est tordu, on ne sait pas si c'est les têtes de fourche. Est-ce que vous avez en gros un train avant potentiellement complet qui peut servir? Donc on aurait une fourche complète, ouais, avec la jante avant. Parfait. Ouais, tu peux la recevoir demain du coup. Demain, tu veux dire là, dans quelques heures après cette nuit? Voilà, exactement. Très rapide, ok, top. Une béquille, parce qu'il a bricolé un truc, alors c'est un mécano, mais pas de moto. Il nous faut une béquille d'origine qu'on va ressouder, nous, je pense qu'on va lui faire un truc plus propre. Ouais, la béquille complète, ça aussi. Hein. Alors, uniquement la latérale, pas la centrale. Hein. Ok. Ok, si vous avez un pot d'échappement d'origine un peu propre, ça serait parfait. Allez, un collecteur d'origine du coup. Ouais, collecteur et silencieux. Allez, ça aussi on va l'avoir de disponible. Mais j'ai jamais eu autant de chance de ma vie, qu'est-ce qui se passe là? Pendant ce temps, Franck s'occupe de la partie cycle, quand il aura trouvé le chemin de sortie du catalogue. Ah putain, ah c'est des tarés. Bonjour et bienvenue chez Beer. Salut, c'est Guillaume, bonjour. Franck Nourry, Turnbike, SOS Highside. Je vous appelle pour l'Africa Twin, vous êtes au courant? Et j'ai une liste de pièces pour vous, là. Ouais, y'a pas de souci, vous avez les références qu'il vous faut? Il me faut chambre à air et disque de frein, plaquettes et durite avant-arrière. Il me faut tout le nécessaire pour les suspensions, donc les bagues et les spies. Et l'huile, je pense que vous l'avez aussi. Mm-hmm. Une bulle basse et 4 clignotants neufs, type origine. Enfin, si vous me les vendez, je pense qu'ils sont neufs. type origine. Type origine, ouais, ça marche. Bon, j'ai ça pour demain matin, Guillaume. Oui, il n'y a pas de souci, je vous mets ça pour demain. C'est sûr, parce que si je n'ai pas demain matin, je viens vous voir. Il n'y a pas de problème. Et je peux être très désagréable, monsieur Guillaume. Allez, je vous remercie, monsieur Bia. De mon côté, quelques pièces sont vraiment difficiles à trouver, et je commence à manquer de temps. C'est là qu'entre en jeu le site d'un gars pas trop bête, Alan, de Adopte une pièce. Toi, en gros, ton site Adopte une pièce, ça regroupe les pièces d'occasion qu'on trouve chez les casseurs en France. C'est ça, notre vocation c'est de réunir toutes les casses moto pour avoir un stock usé en pièces d'occasion et qu'on arrête de galérer à trouver des pièces d'occasion. Normalement à la fin de l'année on aura quasiment 80% des casses en France. Puisque je t'ai au téléphone et que je suis un peu privilégié parce que j'ai ton 06, tu peux m'aider un peu? Ouais bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc Africa Twin, araignée. Ouais, araignée. 1997 le modèle. Donc araignée, ouais c'est bon, on en a une. Ok, top. On complète rapidement notre commande grâce à nos partenaires qui se coupent en quatre pour trouver et expédier ce qu'il faut dans les temps. Et en attendant le facteur, il fait encore assez jour pour continuer notre désossage en règle de l'Africa Twin. Le mec, oh, il a peur de son ombre. J'ai une moto de 220 kg. Voilà, ça va, elle craint plus rien. C'est quoi, je vais te la lâcher sur le crâne, on va voir. Oui, oui, allez. Dors pas le cadre. Hein. Je fais l'arrière, tu fais l'avant? Oui, oui. Allez, c'est parti. Ah, il est brûlé. C'est bon, tu l'as, Franck? De quoi? Elle tient, là? Bah oui, elle tient. Pourquoi elle tiendrait pas? Parce que je viens d'enlever un bout. Bah, on s'en fout de ce bout-là. Wow, c'est lourd, hein? Ah, ouais. Ok. Pourquoi il sert ça comme des chiens, tout ça? Bah, doucement. Wow, ouais, c'est bon. Et sous-pèse. Pas prêt de me lever celle-là. Ça lève pas en deux, ça. Oh, ça va. Ah, quand même. Ça va. Va doucement, putain, mais va doucement, bois. C'est bon, le faisceau, il est parti. Il y a quasiment rien de récupérable.
bah c'est pas mal. Ah oui. Elle est moins moche comme ça quand même. Seule chose qu'on pourra dire, c'est qu'on n'a pas rien fait ce matin. C'est peu de le dire, notre moto est prête à être remontée avec des pièces neuves et de réemploi pour lui redonner sa seconde vie promise, en espérant que les pièces arriveront bien demain matin pour que le chantier ne prenne aucun retard.